Impossible d'oublier la saga des serres de Longueuil qui nous a tenus en haleine pendant des années. Est-ce que Montréal s'apprête à jouer dans le même film? Pour contrer une surpopulation dans deux parcs, la ville veut faire abattre plus d'une centaine de bêtes. Andy Saint-André. Après la saga des serres de Longueuil qui n'est même pas encore terminée et qui a pris une tournure démesurée... C'est pas de gaieté de cœur qu'on est ici devant vous aujourd'hui. Autour de Montréal, de donner le feu vert à l'abattage de plusieurs dizaines de cervidés. Pour nous, le statu quo, ne rien faire, est plus, a un plus grand impact. Voici l'état de situation dans le secteur du parc nature de la Pointe-aux-Prairies et du Bois d'Anjou. Non seulement la population de cerfs a explosé depuis 10 ans, la densité actuelle est environ 9 fois plus élevée qu'elle ne devrait l'être. Résultat, environ 140 cerfs seront abattus par arme à feu d'ici la fin de l'année dans l'est de Montréal. On commence un processus d'appel d'offres. Qu'est-ce qui va ressortir selon les conditions du terrain? Peut-être que ce sera un peu plus, peut-être que ce sera un peu moins. Ce sera à discuter avec nos experts et la firme avec laquelle on va faire affaire. Dégradation importante de l'intégrité des écosystèmes, broutage systématique des jeunes arbres, équilibre écologique des parcs menacés et augmentation de la propagation des tiques à pattes noires font partie des raisons. La surpopulation est en hausse, en fait, dans des accidents routiers. On a eu, en 2022-2023, 86 collisions. Spécifiquement sur la capture et la relocalisation, ça présente certains enjeux, entre autres en matière de bien-être animal. Je fais face à une administration qui est pro-animal, pro-écologie, pour préservation de l'environnement. L'obstacle contre lequel elle bute, c'est le gouvernement du Québec. Parce qu'elle est menottée par le gouvernement provincial qui refuse d'accepter, de même considérer, toute autre alternative. Déjà, la décision soulève les passions. À l'arme à feu, les cerfs, ils vont mourir automatiquement. Parce qu'à l'arbalète, ça peut prendre des heures. Mais je suis contre quand même, là. Madame Lajoie habite en face du parc nature de la Pointe-aux-Prairies depuis 27 ans. Ça fait du dégât, oui, sur nos terrains. J'ai même une voisine qui a retrouvé un chevreuil dans sa piscine creusée. Dans un communiqué, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a salué la décision courageuse de la Ville de Montréal. La Ville de Longueuil annonce d'ailleurs qu'elle va privilégier finalement l'arme à air comprimé plutôt que l'arbalète comme méthode d'intervention. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.